Bonjour, Bonjour. je suis Philippe Caillot, je suis le dirigeant de Génération 5. On est une maison d'édition scolaire basée à Chambéry. On est une équipe de 20 personnes et on édite une centaine d'auteurs qui sont tous des enseignants de l'éducation nationale. On est vraiment spécialisé sur le primaire et sur les maths au collège. Et notre spécificité, c'est qu'on vient du numérique et aujourd'hui, on est arrivé à un équilibre entre papier et numérique. Tous nos best-sellers, on va dire, sont des produits qui associent du papier et des enrichissements numériques. Typiquement, ces cahiers e-parcours, on va trouver un cahier d'exercice classique avec des enrichissements numériques, des QCM, des quiz, des activités de découverte qui vont permettre d'animer le cours et de le rendre plus interactif, plus ludique. Alors, concernant nos actualités, eh bien, tout d'abord, nous sommes rapprochés avec deux autres éditeurs scolaires de la région de Chambéry, qui sont alors, Fontaine Picard, qui est basée à Bourg-en-Bresse et qui est spécialiste des matières d'éco-gestion, donc plutôt au lycée technologique. Et puis, le Génie Éditeur, qui est spécialiste des matières professionnelles. Donc, on forme un petit groupe d'édition qui s'appelle les Artisans du Sens depuis avril dernier. Et le but, c'est de mettre en commun toute la logistique pour mieux servir nos clients, libraires, établissements scolaires. Mais on garde par contre toute l'identité des maisons d'édition, toute leur ADN, tout ce qui fait leur spécificité. Voilà, mais le but, c'est d'être plus efficace opérationnellement avec ce groupe. Et ce groupe comporte une quatrième maison d'édition qui est une maison d'édition régionale, Pays de Savoie et Dauphiné, donc rien à voir avec le scolaire, qui s'appelle La Fontaine de Siloé, dans lequel on a des guides touristiques, des guides de belles photos, des livres jeunesse, voilà. Et donc ça, c'était avril dernier. Et puis, deuxième actualité, on vient de sortir, on n'était pas présent ou très peu sur le lycée jusqu'à présent, et on vient de sortir un cahier d'activités avec des cours qui s'appellent le cahier manuel maths sac à dos, seconde. On a fait ça avec l'association sac à dos, qui est une association de profs de maths, qui a développé une plateforme numérique pour l'apprentissage des maths. Et ils sont venus nous voir pour faire un support papier. Et donc, on a développé ça avec eux. Voilà, et le but, c'est d'aller sur tous les niveaux du lycée. Mais on a commencé par ce cahier manuel en seconde.